Salut, bonjour mes chasseurs de nuages, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Alors aujourd'hui les copains, ça va être un instant vape pour vous parler de la façon de vaper. Voilà, on va parler aujourd'hui de la façon de vaper et il y en a principalement deux. On va parler du DL et du MTL. Alors accrochez-vous, c'est parti, je vous en parle. Alors les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo tuto, c'est une vidéo pour vous donner quelques petites news, disons voir ça comme ça, vous donner quelques petites astuces surtout pour savoir comment vaper les copains. Bon, si vous me regardez assez souvent, vous savez que j'aime faire du gros cloud et il y en a plein d'entre vous, je suis sûr, qui peut-être n'ont pas encore essayé la vape. Peut-être veulent se mettre à la vape, ce qui peut être une très bonne chose. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous parle un petit peu de l'apport de la vape quand on veut principalement arrêter la cigarette. Parce qu'en vérité, la vape, ça sert à ça. Il y en a beaucoup qui arrêtent la cigarette, arrêtent la clope avec ça. Personnellement, c'est mon cas et je suis assez fier de ma réussite dans le sens où ça fait maintenant plus d'un an que j'ai arrêté la cigarette et puis je me suis mis à la vape. Donc du coup, je conseille honnêtement à tous ceux qui veulent arrêter de fumer, il faut essayer un jour la vape parce que ça peut être vraiment une vraie aide. Une vraie aide, les copains, pour vous arrêter la clope. Alors, déjà pour commencer, la vape, il faut savoir une chose, c'est que vous avez plusieurs façons de l'inhaler. La vape, c'est quoi? C'est de la vapeur. La vapeur, vous avez plusieurs façons de l'inhaler. Vous avez déjà sur plusieurs engins différents et vous pouvez voir un petit peu quels sont les différents moyens d'inhaler la vape. Donc, il y a un premier système qui consiste en fait à inhaler la vape en direct. Alors, ça va être le DL, les copains. Le DL, c'est quoi? Alors, le DL, c'est direct to lung. Ça veut dire direct dans les poumons. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? En vérité, c'est très simple. Est-ce que je pense que parmi vous, il y en a probablement qui ont déjà pris en étant jeunes ou encore maintenant? J'espère pas pour vous parce que, ça voudrait dire que vous clopez ou que vous vapez alors que vous êtes asthmatique. Mais ça, on va parler maintenant, bien évidemment, de la ventoline. Donc, ceux qui ont déjà pris de la ventoline, vous savez, ce truc que vous prenez et puis que vous aspirez directement dans les poumons, et en fait, c'est le même système en DL. C'est la même chose que faire du DL. Donc, le DL, c'est directement dans les poumons. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Allez, c'est parti. Un DL, vous savez que moi, je suis vapeur DL. Donc, forcément, mon train-train. Voilà ce que c'est un DL, c'est le prendre direct dans les poumons. Alors, ensuite, ça c'est, disons voir, la façon qui va vous donner le plus gros cloud. Okay, la façon qui va vous donner le plus gros cloud, donc le DL, c'est une méthode qui est utilisée, j'ai envie de dire, je pense, à mon avis, par beaucoup de vapoteurs qui aiment faire du cloud. Les chasseurs, vous là, je sais que vous aimez faire du cloud et je sais que c'est votre délire de faire du DL, c'est normal. Moi, c'est la même chose. Alors, il faut dire une chose, c'est que si on a arrêté la cigarette, bien souvent, c'est aussi pour la vape, pour avoir une sensation un peu différente. Et ce qui amène une grosse sensation différente en vérité avec la vape, c'est tout simplement le fait de lâcher un gros cloud. C'est déjà le plus, quoi. Je veux dire, quand vous fumez une clope, vous allez simplement envoyer un peu de fumée, voilà. Quand vous vapez, vous envoyez un gros cloud. Et déjà, rien que ça, c'est une satisfaction qui va déjà vous attirer plus vers la vape que vers, simplement la clope. Et ensuite, il y a une deuxième chose, bien évidemment, c'est les saveurs. Alors, pour revenir aux différentes manières de vaper. Alors, on a aussi une manière qui est conseillée pour les gens qui arrêtent de fumer. Alors, c'est quoi cette façon de faire? C'est le MTL. Ça veut dire que c'est en fait comme une clope. C'est-à-dire, vous prenez la vapeur en bouche et puis vous l'aspirez après. Alors, on arrive au moment le plus drôle parce que moi, je suis pas du tout un vapeur MTL. Je vous le dis comme ça, moi, je fais du DL, je suis pas un adepte du MTL parce que j'ai jamais kiffé ça. Et en général, ça me fait tousser ma race. Alors, pour le coup, on va essayer d'en faire un.
Si je tousse ma race, vous vous foutez pas de ma gueule, vous me direz dans les commentaires. Si jamais je l'ai fait de travers, ça va me faire délirer. Et avant que je le fasse, n'oubliez pas, si ce genre de vidéo vous plaît, bien évidemment, bah, si vous kiffez les instants vap avec Jerry, eh ben, abonnez-vous les copains. Mais bien sûr, abonnez-vous, cochez la cloche pour pas manquer les prochains numéros. Et puis on y va. Alors, je vais juste descendre un peu en wattage parce que pour le coup, je suis en... J'étais en combien d'ailleurs? Mais oui, j'étais en 75 sur ma Aegis Legend avec mon dieu Subaume. Alors, c'est pas du tout fait pour faire du MTL. Ça, c'est un fait. J'en ai, mais je vais tout vous avouer, j'ai même plus de coil dessus parce que ça fait une éternité que j'ai pas vapé dessus. Alors, on va faire un petit MTL ici avec celle-là. Vous foutez pas de ma gueule si jamais ça rate. C'est parti. Alors, je sais pas si ça a trop fonctionné. On va réessayer. Alors, vous avez compris le principe. Hein. On le garde en bouche, on aspire. Je réessaye. Et j'ai pas toussé. Hein. Oh, j'ai pas toussé. Voilà. Eh ben, en vrai, j'ai fait du MTL, je suis fier parce que j'arrive pas à le faire d'habitude. Donc, voilà ce que c'est le MTL, vous le gardez en bouche, vous gardez la vape en bouche et vous l'aspirez ensuite. Alors, au niveau saveur, il y a des petites choses, c'est un peu subtil. Pour commencer, quand vous faites du MTL, vous aurez quand même un poil plus de saveur. Pourquoi ? Ah oui, pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez garder la vape en bouche, donc vous allez déjà avoir le goût savoureux de votre jus dans votre bouche qui va toucher le palais, et ensuite vous allez l'aspirer dans les poumons et la relâcher. Donc vous allez avoir une sensation de saveur plus intéressante que sur du DL. Par contre, comme vous l'avez vu là, vous n'arriverez pas non plus à faire du méga gros clouder. Ça, c'est pas possible. Je vous le dis comme ça, c'est pas possible. Moi, personnellement, j'aime bien le DL parce que je trouve que c'est une meilleure sensation comme la clope. C'est-à-dire qu'on sent que ça passe et qu'on rejette la vapeur. Donc, personnellement, je préfère le DL. Mais voici les deux grandes différences. Le DL en direct, qui permet d'aspirer directement. Le MTL, qui permet de mettre la vapeur en bouche et la faire descendre ensuite dans les poumons. Vous avez tout type de vapoteurs. Vous avez les gens qui préféreront faire du MTL, peut-être même, voire avec des taux de nicotine plus élevés. Et des gens qui vont préférer faire du DL, parce qu'ils vont simplement préférer faire du gros cloud. Et en parlant de cloud, et ben on va s'en faire un, les copains. Et j'aimerais que vous me suiviez sur celui-là. Allez, on se fait un bon DL, même les petits vapoteurs qui me regardent là, et qui font d'habitude du MTL, mais faites donc un gros DL avec moi pour faire du gros cloud. Mettez-en partout dans votre salon. Alors oui, je suis encore sur 57 watts. On va monter un peu parce que perso, j'aime pas quand c'est trop bas. Voilà. Alors c'est pareil, les copains, les wattages, quelque chose d'important. Je vous ferai aussi une petite vidéo sur les wattages si ça vous intéresse. Savoir un peu quoi vaper sur du gros wattage, sur du petit wattage, super important. La vape, les copains, la vape, c'est quelque chose de... pas complexe, j'ai envie de dire, mais de tellement ouverte, il y a tellement de choses à savoir dessus. Je vous ferai une vidéo sur le wattage, il n'y a pas de problème, et dites-moi en com si ça vous intéresse. De là, on se refait un petit cloud, parce qu'on n'en a pas fait beaucoup, et j'aime bien faire du cloud. Allez, c'est parti. Ah. Qu'est-ce que ça fait du bien. Eh oui, les copains. Donc voilà, j'espère que je vous aurai éclairé sur la question du MTL et du DL. J'espère honnêtement que j'aurais pu vous aider sur savoir peut-être quoi faire, hein, en vérité. Je vous ferai également une petite vidéo prochainement sur les apports de la vape quand on essaye d'arrêter de cloper. Et vous savez quoi? Je suis sûr que parmi vous, il y en a beaucoup qui fument et qui voudraient arrêter. Alors les copains, mais n'hésitez pas, essayez, ça vous coûte rien, même si c'est un petit peu combiné au début, pas trop quand même, c'est pas bon pour la santé. Sur ce, je vous laisse les copains, je vous fais plein de bisous, plein de bonheur, je vous envoie plein de bonnes choses, et puis je vous quitte sur un cloud. Allez, c'est parti, on y va.